On va essayer d'examiner essentiellement comment mettre en place le tracker en se basant sur les sorties, les analyses qu'on veut faire. Parce que, effectivement, si vous remarquez dans la partie agrégée, on a souvent tendance à dire que pour faire la conception d'un tracker, il est très important de penser à ce qu'on a comme sortie. OK, de ce qu'on a comme sortie. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir dans les slides qui suivent. OK. Donc, l'objectif de cette session, c'est de développer un tracker qui permette d'avoir une meilleure utilisation des données. Parce qu'effectivement, le tracker est là pour pouvoir permettre aux gens d'utiliser les données. Comment choisir les indicateurs essentiels pour le résultat du tracker? Recueillir vos besoins en matière d'indicateurs, qui impliquer et quoi réviser. Des cas d'utilisation à parler du Ghana et de la Palestine. Donc, pour le Ghana, c'est un peu plus sur la conception des indicateurs des règles de programme. Et pour la Palestine, c'est une comparaison qu'on va faire entre les données agrégées et les données trackers. Alors, donc, en fait, si vous remarquez bien, on a essayé de présenter cette maison dans le slide d'hier. Et donc, nous, on ne va pas trop parler de ça. C'est dans le slide précédent, enfin, le slide d'hier, qu'on a eu à brosser toutes ces composantes. Mais ce qui nous importe le plus, c'est la partie utilisation des données et la configuration. On conçoit un tracker pour que les gens puissent l'utiliser pour la prise de décision au niveau local comme au niveau central. Donc, l'idée, c'est de toujours penser à avoir un tracker qui sert aux utilisateurs à tous les niveaux. OK? Donc, raison pour laquelle nous allons passer à ceci. Si vous remarquez bien, généralement, quand on fait nos trackers aussi, on a souvent tendance à prendre des fiches de collecte et à essayer de les paramétrer. Et après, on se rend compte en fait que, ah, il y a certains indicateurs qu'on pouvait ajouter, où on se dit, ah, est-ce qu'on ne peut pas ajouter, si on ne peut pas ajouter, ça nous amène à reconcevoir, à juste penser à l'entrée, aux fiches de collecte, au registre. Et lorsqu'on est arrivé à un niveau où on avait besoin de certains indicateurs, on n'avait plus la possibilité de le faire, vu qu'on n'avait pas conçu notre tracker pour pouvoir créer ces indicateurs. Donc, il est important de pouvoir savoir quelles sont les sorties qu'on veut avoir dans notre système pour concevoir un tracker qui serait utile pour les différentes. Les différents acteurs ou parties prenantes. OK? Donc, ce que vous savez généralement pour le tracker, c'est qu'on a l'onglet où on collecte les données des personnes, où on a ce qu'on appelle l'entité suivie ou le track entity avec des informations, c'est-à-dire ses attributs, il est assigné à un programme, il y a il a signé une unité d'organisation et à chaque fois qu'il est dans un tracker, il y a un événement spécifique qui se crée. Donc, on a toutes ces étapes-là et il faut savoir que normalement, tout ceci doit nous amener à pouvoir créer ce qu'on appelle des données agrégées. Donc, on doit avoir nos indicateurs à partir de ces informations-là. Donc, on a toujours cette idée ou cette, comment on appelle-t-on? On essaie à chaque fois de concevoir le système de sorte à ce qu'on puisse avoir nos informations comme on l'a traditionnellement, c'est-à-dire le où, le quand et le quoi. Mais ce qu'il faut aussi savoir, à part ces indicateurs ou cette façon de voir, puisqu'on a le où, le quand et le quoi, et qu'on essaie de modeler notre tracker pour qu'on puisse avoir toutes ces informations-là, il faut savoir aussi que nous sommes dans un système actuellement où on a plus d'utilisateurs ou plus d'utilisateurs finaux. Donc, si vous remarquez bien, pour les données agrégées, vous avez quelques utilisateurs, mais pour le tracker, vous avez encore plus. Parce que vous avez les personnes au niveau des points de prestation qui doivent avoir certaines informations, qui doivent avoir certains indicateurs, pardon, faire de l'évaluation, faire un suivi.
Et généralement, ce qui nous pousse à avoir plus de données ou plus de demandes de données. Okay? Et donc, ce qui va nous ramener à repenser l'utilisation des données dans notre tracker. Donc, lorsqu'on va pouvoir mettre en place le tracker, il faut repenser à comment est-ce qu'on veut utiliser ces données-là dans notre tracker. Okay? Donc, on a planifié activement l'utilisation des données. Okay? Donc, définir des indicateurs de façon claire. Okay? Déterminer qui va l'utiliser quand. Décrire quelle sera l'interprétation de cet indicateur, quelles seront les prises de décision qui découlent de ces indicateurs-là, et voir si c'est faisable. Parce qu'il y a des indicateurs, par exemple, qui seront difficiles à concevoir dans le tracker. Donc, il faut voir la faisabilité de ces indicateurs-là. Et le cinquième, c'est qu'il faut avoir une priorité. Je vais expliquer ça plus tard, mais la priorisation peut aider aussi à rendre le système utile. Alors, donc, on revient sur des points dont on a essayé de parler dans les slides précédents, c'est-à-dire que c'est un schéma qu'on donne avec les personnes qui ont, par exemple, qui sont dans un tracker avec, bien entendu, ils sont assignés à une unité d'organisation, un programme, tracker, qui ont les différents stades des événements, les éléments de données, tout ça. Et donc, ces événements-là doivent être regroupés en informations agrégées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui se passe en général, c'est qu'on a aussi plusieurs sorties qu'on doit avoir. Et généralement, on a des sorties même provenant des packages que nous avons, nous avons mis en place. Nous avons des différentes sorties que les utilisateurs veulent avoir. Et donc, généralement, on est souvent dans notre tête, dans la partie de la conception, on a toujours pensé à comment est-ce qu'on peut concevoir ce système pour qu'on puisse en tirer une bonne partie des informations qu'on veut pour la prise de décision. Parce que, comme je le dis, on travaille, on utilise le tracker pour... on conçoit le tracker pour l'utiliser, pour obtenir des informations. Donc, si vous remarquez bien... Vous avez aussi les informations agrégées que vous pouvez avoir. Donc, par exemple, des informations liées, par exemple, au pourcentage de personnes vaccinées selon les vaccins, par exemple, pour la COVID. Mais vous avez aussi les couvertures, tout ça. Mais vous avez aussi cette possibilité d'avoir des informations individuelles. Par exemple, si vous êtes dans un programme de nutrition, vous voulez voir si l'enfant a gagné du poids. Et ça, ce sont des informations, par exemple, spécifiques à l'individu. Allô, je ne sais pas si c'est sur moi. On a perdu Jerry. Oui, un instant. Il va se reconnecter tout à l'heure. Mais néanmoins, si vous avez jusqu'ici des questions, nous sommes ravis de les recevoir dans Slack. Donc, il est en train de se reconnecter. Il a un petit souci avec la connexion. Donc, c'est ma voix que vous entendez, hein, ce n'est pas la voix de Thierry. Donc, dans quelques instants, il va revenir vers vous. Mais bon, je vois dans Slack, personne pour le moment. Nous allons poster sa présentation dans le Drive comme on le faisait depuis le premier jour. Ça va se faire dans quelques minutes. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, oh oui, les questions, c'est dans le canal question jour 3. Donc, c'est toujours dans Slack. Donc, chaque jour, nous allons créer un canal qui sera spécialement dédié à cette journée. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans le bon canal. Je vois que Dr. Samake vient de vous envoyer le lien vers le Drive. Donc, vous pouvez
cliquez là-dessus pour vous rendre directement dans le Drive et télécharger les présentations depuis le premier jour. S'il y a une présentation qui manque, n'hésitez surtout pas à nous faire part et nous allons pouvoir l'ajouter directement. D'ici peu, nous allons aussi vous envoyer le lien vers les vidéos envoyées sur YouTube que vous pouvez revoir à tout moment et trouver le mot du jour comme Alice l'a dit tout à l'heure. Donc, je pense que Jerry est de retour. Je vais lui laisser la parole. Merci. OK, merci beaucoup. Désolé, quelques aléas liés à la technique. Donc, je disais effectivement qu'on a, par exemple, cette possibilité de pouvoir voir l'évolution du poids d'un enfant dans un programme de nutrition. Donc, ce sont des informations clés aussi que, par exemple, la personne qui prodigue les soins aimerait avoir. Et donc, on a toutes ces informations qu'on doit essayer d'avoir en tête avant de pouvoir modéliser un tracker. Alors, donc, on a essayé de faire une évaluation des besoins. Donc, qui demande les données de tracker? Où se situe la demande? Qui utilise quotidiennement le tracker? Quels sont leur motivation? Donc, ce sont des questions qu'on doit se poser généralement lorsqu'on essaie de concevoir un tracker. Généralement, ce qu'on a, c'est que lorsqu'on utilise le tracker, on a souvent les gens du ministère de la Santé ou du service informatique qui utilisent le tracker, mais ils sont pas aussi nombreux que le personnel des établissements de santé ou des établissements. Donc, en général, dans la pyramide, ceux qui l'utilisent plus sont les personnels ou les personnes qui offrent des services. Et donc, normalement, on se dit peut-être que dans notre cas de figure, ils doivent être beaucoup impliqués dans la conception. Mais ce qu'on remarque généralement, c'est que ceux qui conçoivent le tracker sont plus du niveau central que du niveau périphérique. Et donc, on est dans une situation où généralement, les trackers ne sont pas adaptés aux besoins de ceux qui sont au niveau périphérique pour l'utiliser. Et donc, parfois, ça peut poser. Donc, l'idée, c'est de toujours penser à qui utilise les données et les permettre de pouvoir participer activement au développement du système, de sorte à ce qu'ils se sentent impliqués dans tout le processus. Quand ils le font, ils comprennent pourquoi on a fait ce travail, pourquoi on a fait ce changement, pourquoi le tracker est conçu ainsi, et aussi, ça les permettra de pouvoir déjà prendre en main le système parce qu'ils ont participé activement au développement du système. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, ici. Vous voyez, au niveau, en ce qui concerne les indicateurs, par exemple, au niveau central, le gestionnaire de données veut peut-être connaître le nombre d'accouchements à l'hôpital par mois, par méthode. OK? Ou il peut dire, ah, bon, tant qu'on a un tracker, on peut, par exemple, connaître l'accouchement par hôpital par mois, par heure de la journée. Donc, ce sont des informations granulaires qu'il n'avait peut-être pas dans son système de routine, mais qu'il peut avoir au niveau du tracker. Donc, ce sont des informations qu'il aimera avoir. Mais en ce qui concerne le chargé ou la personne qui prodigue les soins ou qui offre un service au niveau périphérique, il a besoin d'autres indicateurs. Donc, par exemple, les facteurs de risque liés à l'accouchement au CG chez les patientes du troisième trimestre de grossesse. Donc, pour pouvoir prendre une décision, pour savoir à quoi est-ce que je peux faire, par exemple, dans mon établissement pour améliorer la qualité de soins de mes patients. Donc, généralement, ce sont des informations qu'ils aimeraient avoir. Alors, il faut donc penser à créer des indicateurs pour tous ces niveaux-là. Donc, comme je l'ai dit, on a souvent tendance à privilégier les indicateurs agréables à avoir et on oublie que les personnes qui sont en première ligne ont aussi besoin de certains indicateurs pour travailler. Et donc, comme je l'ai dit, nous voulons concevoir un tracker pour que tout le monde puisse l'utiliser et donc aussi les personnes en première ligne. Alors, ici, ce que vous allez remarquer, c'est que nous avons plusieurs approches de conception de tracker. Donc, parfois, on est tenté, par exemple, de faire une approche papier à l'écran, c'est-à-dire que tout ce qu'on a comme registre, on essaie de le configurer dans le système.
OK? Registre, on le configure simplement dans le système. Généralement, il y a des défis là-dessus. Par exemple, c'est difficile à maintenir ou à faire évoluer. Ça ne tient pas forcément compte du workflow. Donc, c'est pas, les utilisateurs sont souvent frustrés parce que ça ne tient pas compte du flux de travail, de la façon dont les processus, les procédures sont. Donc, généralement, ça peut poser problème. Il y a parfois des redondances, certains indicateurs qui ne sont pas pertinents pour à tous les niveaux, que ce soit pour le niveau périphérique qu'au niveau central, parce qu'on se fiche sur le papier. Mais parfois aussi, on se dit, OK, bon, tout ce qu'on va faire, c'est on va ramener tous les indicateurs qu'on a dans notre système, on amène tous les indicateurs, on essaie de créer des trackers pour ça. Mais le problème, généralement, c'est qu'on a trop d'informations. Souvent, les utilisations financières sont submergées parce qu'ils doivent normalement renseigner toutes ces informations-là. Et donc, cela aussi a un impact sur la qualité de données parce que quand c'est comme ça, bon, comme on le dit en anglais, on fait du data cooking, c'est-à-dire que la personne renseigne l'information, il laisse des champs vides, il écrit des informations juste pour aller vite parce qu'il a d'autres tâches parfois et il doit aussi s'occuper de remplir les données. Et donc, c'est parfois compliqué quand il y a beaucoup de données à remplir. Donc, généralement, on a aussi un problème de confidentialité parce que vous avez trop d'informations individuelles dans le système. Et donc, il faudrait aussi s'assurer qu'elles soient confidentielles et intègres. Et donc, ces genres de défis peuvent avoir des impacts sur le système. L'approche qu'on recommande, c'est l'approche orientée utilisateur, donc qui se trouve au milieu, où on tient compte des besoins des utilisateurs. Et donc, on veut avoir les indicateurs qu'il faut, mais on ne veut pas aussi mettre beaucoup de pression, beaucoup de charge sur les utilisateurs finaux qui doivent renseigner l'information. Donc, on a quelque chose qui correspond au flux de travail, on a quelque chose qui est utile, qui est pratique, qui est simple d'utilisation et qui permet à tout le monde d'utiliser le système. Bon, ici, on va parler un peu des sources pour les indicateurs qu'on veut créer. C'est-à-dire que, bon, quand je dis sources, je parle de sources, de ce qu'on peut utiliser comme référence autant pour moi pour pouvoir créer notre tracker ou les indicateurs qu'on peut utiliser pour pouvoir créer notre tracker. Donc, la première des choses qu'on utilise le plus souvent, ce sont les fiches de collecte de routine ou agrégées. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend la fiche de collecte là et on voit, est-ce qu'avec le tracker, on a cette possibilité de pouvoir avoir ces fiches ou avoir les données de ces fiches, ces données agrégées. Donc, bien entendu, il y a la fréquence qui entre en jeu, les désagrégations et tout ça. Bien entendu, on va essayer de parler de ça un peu de la qualité des données rapportées au niveau de l'agrégé et ce qu'on a au niveau du tracker. Donc, on va avoir un cas d'utilisation lié à ça. Donc, on utilise ça aussi pour pouvoir penser aux indicateurs qu'on va créer dans notre... aussi, on a, par exemple, le plan de suivi et évaluation qui a des indicateurs spécifiques. Et donc, ces indicateurs peuvent être aussi utilisés dans le système ça peut être utilisé autant pour moi pour la conception de notre tracker. Donc, si vous avez un plan de suivi évaluation et que vous avez des indicateurs là-bas, vous pouvez les utiliser. Comme je l'ai dit, il faut lister les indicateurs, les prioriser, tout ça. Mais ce sont les sources d'indicateurs ou les sources qui peuvent nous permettre de créer les indicateurs dans notre tracker. Parce que comme on le dit, comme je le répète encore, nous devons penser à ces indicateurs qui peuvent être utiles à l'utilisation. Donc, il est important de penser à cela. L'autre chose que vous pouvez avoir aussi, c'est les indicateurs qui sont dans la liste des analyses recommandées par Fonds mondial. Donc, ça, ce sont des documents externes que nous pouvons utiliser, par exemple, pour pouvoir concevoir d'autres indicateurs dans le système. Donc, vous avez plusieurs sources que vous pouvez utiliser pour pouvoir concevoir les indicateurs de votre système. Alors, ici, ceci est un peu orienté à prestation de services. Donc, ce sont aussi des indicateurs, mais plutôt des indicateurs qui ne sont pas forcément des ordinateurs au niveau agrégé, mais des indicateurs liés à la performance de l'établissement, par exemple. Donc, par exemple, si vous avez une recommandation pour la vaccination, par exemple, du tétanos, le TT, je crois que c'est le TD plutôt, tétanos diphtérique.
Et donc, vous avez par exemple peut-être des recommandations ou des guides du national, autant pour moi. Et ce qui se passe, c'est que dans la partie agrégée, on vous demande seulement si la personne a été vaccinée selon les directives. Et on renseigne, par exemple, le nombre de personnes où on met peut-être oui. Mais au niveau du tracker, on a quelque chose de plus spécifique où on voit comment les choses fonctionnent et on voit de façon spécifique qui n'a pas été vacciné selon les directives. Peut-être quelles tranches de personnes ne sont pas vaccinées selon les directives. On a une façon plus granulaire de voir l'information. Généralement, ça peut aider à améliorer la prestation d'un établissement. Donc, généralement, ces indicateurs de soins doivent être incorporés dans le tracker de sorte à ce qu'on puisse permettre aux agents de santé de pouvoir utiliser le tracker. Donc, l'autre chose, c'est qu'on doit toujours penser au-delà des données agrégées que nous avons. Okay? Donc, il y a certains indicateurs aussi qui sont des indicateurs qu'on appelle, dans le jargon des indicateurs individuels, qui sont en fait liés à la personne. Donc, par exemple, la variation de poids pour les nourrissons en visite, pour la nutrition, l'analyse de l'attrition de la cohorte en fonction des périodes d'initiation d'un traitement prétoviral, la visite des soins préonatales par les ASC à moins de 14 jours après l'accouchement, le nombre de nouveaux cas liés au nouveau cas index. Effectivement, ça, c'est par exemple lié à la fonctionnalité des relations, c'est-à-dire dans le tracker, je sais que certains d'entre vous qui ont déjà utilisé le tracker, c'est qu'on peut par exemple lier des personnes à travers des relations, des entités à travers des relations. Donc, ce sont, on essaie de montrer que vous avez d'autres indicateurs que vous pouvez utiliser qui peuvent aider la personne dans le système. OK. Donc, ici, nous allons un peu parler d'un cas d'utilisation. OK. On va essayer de parler d'un cas d'utilisation. Et ce cas d'utilisation en question sera lié en fait au Ghana. Donc, ce qui se passe pour le Ghana, par exemple, c'est qu'ils ont essayé de pouvoir concevoir les règles de programme et les indicateurs de programme avec les concernés. C'était une nouvelle, c'était une expérience pour voir comment cela peut se faire, parce qu'ils voulaient impliquer plus de personnes, plus d'utilisateurs dans la conception même du système. Donc, je vais faire une pause de cette présentation et présenter l'autre diapo du Ghana. Donc, un petit instant, vous allez voir un rhinocéros, mais ça va bientôt partir. Alors, oups, j'ai gardé le nom du présentateur. Bon, il n'est pas parmi nous, mais il soit assez au soir. Ça gâte, ça gâte plutôt. Et il présentait en fait l'exemple du Ghana. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il voulait établir des relations de travail entre l'équipe technique qui s'occupe du DHS2 et le personnel des divers programmes. Parce qu'en général, ils font une conception plus centralisée au niveau de l'équipe technique. Et cette fois-ci, ils voulaient donc penser à les inclure dedans. Okay? Et donc, ils vont discuter des outils ensemble et voir comment améliorer les choses. Ils ont voulu commencer par la tuberculose. Et donc, ils ont pris les outils de tuberculose, ils ont discuté ensemble comment mettre ça dans le système. Ils ont essayé d'avoir une compréhension commune des éléments de données des indicateurs de tuberculose.
et ils ont établi, devaient établir des règles de programme. Les règles de programme sont généralement utilisées pour pouvoir améliorer la qualité des données parce que le système aura un comportement spécifique par rapport à une information que l'on choisit, par exemple. Je vous donne un exemple qui n'est pas peut-être lié à la tuberculose, mais par exemple, quand on choisit le sexe féminin, si c'est par exemple, on a besoin de la date des derniers règles, quand on prend le sexe féminin, la date des derniers règles, le champ de date des derniers règles peut apparaître, mais lorsqu'on choisit le sexe masculin, cette information n'apparaît pas. Donc, ce sont des, par exemple des informations que si on le laisse sans les masquer, on peut avoir par exemple quelqu'un de sexe masculin qui a une date des derniers règles. Et donc, pour pouvoir améliorer la qualité des données dans le système, on a ce qu'on appelle les règles de programme. Donc, ils ont essayé de discuter avec eux, donc de revoir comment le concept ou comment créer, par exemple, les règles de programme. Et donc, ils ont expliqué le principe, ils ont expliqué la façon dont ça se fait avec les expressions, les actions et tout ça. Et ils ont essayé de discuter de comment aussi personnaliser ces règles. Ils ont aussi pensé aux indicateurs de programme. Et parfois, les indicateurs de programme ont un impact sur la façon dont on doit saisir les données. Ou elles nous amènent parfois à créer des règles de programme. Donc, ils ont discuté de tout cela ensemble pour pouvoir voir comment créer ces indicateurs de programme, ces règles de programme. Et ils ont aussi discuté sur la priorisation, c'est-à-dire, ils ont pensé à comment faire ou comment prioriser tel ou tel indicateur par rapport à ça. Comme je l'ai dit dans les slides précédents, la priorisation est quelque chose d'important. Donc, ils ont pensé à prioriser. Et ici, bon, c'est juste pour vous montrer, ça, c'est juste une définition sur les règles de programme, les indicateurs de programme. Donc, bon, et je ne vais pas trop parler de ça. Vous allez peut-être lire le slide et comprendre, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des expressions, on a des actions. Et tout cela nous permet, par exemple, de pouvoir créer notre règle de programme qui peut ça, masquer un champ, attribuer une valeur, envoyer une messagerie et un message, parce qu'il peut être une notification, comme on dit souvent dans notre jargon. Il peut peut-être envoyer une alerte, etc. Donc, en tenant compte de ce qu'on veut comme comportement, on crée ces règles de programme. Et donc, après, on a les indicateurs de programme qu'on crée qui permettent de pouvoir récupérer les données ou d'agréger les données, pouvoir les envoyer dans le système. Donc, on essaie de pouvoir faire ce genre de choses. Donc, voici, par exemple, ici, une capture d'écran des règles de programme avec la partie expression, la partie action. Et aussi la même chose pour les indicateurs de programme où nous avons la partie expression, la partie filtre qui nous permet parfois de créer les indicateurs de programme. Donc, ce sont des choses qui en fait, ils ont essayé de faire avec une équipe qui, a priori, ne participait pas à l'élaboration de ce genre de choses. Mais ils ont expliqué le concept, les gens ont bien compris et ils ont pu effectivement permettre, ils ont pu effectivement créer ces règles de programme, ces indicateurs. L'avantage qu'ils avaient, c'est que les personnes qui étaient du programme comprenaient mieux le système et donc, comme ils ont compris la logique derrière, ils les ont bien aidés en disant « Ah, ceci, on peut le faire comme ceci, vu que, bon, selon les expériences, ceci est ceci. » Donc, ça a été vraiment quelque chose de bénéfique. Alors, je vais revenir sur mon prochain slide, enfin, sur mon autre slide. Donc, quelques minutes de patience. Alors, ici, nous allons parler un peu des indicateurs et des données agrégées. Enfin, on va parler des données individuelles et des données agrégées. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en Palestine, ils avaient mis en place un tracker pour la santé maternelle pendant 5 ans. Et ils ont essayé de voir comment est-ce que les données sont entre les deux systèmes. Ils essayaient de voir comment est-ce qu'on peut comparer ces données agrégées vis-à-vis des données, comment on appelle-t-on, les données agrégées. Ils veulent comparer les données agrégées et les données tracker. Donc, on s'est retrouvé avec
une remarque assez intéressante. On se rend compte que les données ne sont pas, les données ne convergent pas. C'est-à-dire que on a par exemple des données très élevées, par exemple dans la partie tracker, par rapport au système de routine. Donc ça, cela peut avoir plusieurs explications. Ça peut être aussi que les gens ne renseignent pas beaucoup les informations de routine comparé aux informations de tracker. Ça peut être aussi lié à d'autres facteurs, même de conception de nos indicateurs de programme. On va revenir là-dessus sur le slide prochain. Donc, ça peut venir de choses, mais ça a permis quand même de voir qu'il y a une certaine différence entre les données. Et donc, il était question de savoir qui avait la meilleure source de données. Mais il est important de faire ce genre de comparaison en général pour voir ce qui se passe et donc de comprendre le phénomène. Ça nous permet aussi de pouvoir assurer une certaine qualité de notre système d'information. Lorsque vous pensez, par exemple, j'avais essayé d'évoquer cela hier. Lorsqu'on essaie, par exemple, de pouvoir faire, d'importer ou d'envoyer plutôt les données sur le système national, il faut avoir beaucoup de choses en considération. En général, ce sont les données agrégées que nous allons envoyer, bien entendu. Ou ce sont les données agrégées qui importent pour le système national. Et donc, dans ce cas de figure, il faudrait penser à voir comment est-ce que les indicateurs doivent être conçus. Par exemple, est-ce qu'il faut compter les événements? Est-ce qu'il faut compter les enregistrements, les inscriptions? Est-ce qu'il faut compter les patients, ce qu'on appelle les entités suivies, les instances des entités suivies, les track entity instances? Il faut voir comment est-ce qu'on a précité, comment on gère comment les transferts sont pris en compte dans les indicateurs et tout ça. Donc, il est très important de pouvoir penser à cela. Lorsqu'on crée nos indicateurs, donc lorsqu'on crée les indicateurs de programme dans le tracker, il est important de savoir qu'est-ce qu'on compte, comment est-ce qu'on doit le compter pour que ça puisse être pris en compte ou puisse permettre aux gens au niveau du SNIS de pouvoir utiliser le tracker. Donc, il faut examiner comment les données agrégées sont comptabilisées manuellement, c'est important parce que c'est avec ça que, par exemple, on peut savoir comment on peut créer nos indicateurs. Donc, comme je l'ai dit, on a parfois des règles de programme. C'est ce qu'on appelle logique de saut ici. Il y a des règles de programme qu'on peut utiliser pour pouvoir assurer la qualité de données de sorte à ce que les indicateurs soient de bonne qualité. OK? Par exemple, si on dit on veut voir, par exemple, une information qui est liée seulement au sexe masculin et qu'on a quelqu'un du sexe féminin qui est compté dedans, c'est probablement lié au fait que peut-être qu'on n'a pas appliqué de règles de programme pour pouvoir empêcher qu'il y ait une saisie à un endroit spécifique. Donc, il y a aussi la partie, il faut penser aux désagrégations et tout ça, et donc prendre ça en compte dans notre tracker. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant l'élaboration d'un programme, il faut noter qu'est-ce qu'on attend de ce programme, quels sont les résultats attendus, comment est-ce qu'on veut utiliser. Donc, on doit penser à cette conception qui doit avoir une possibilité aux gens de pouvoir utiliser les données. Et les données, ce sont par exemple de routine, les données statistiques. Mais il faut aussi s'assurer qu'il y ait une certaine fluidité, c'est-à-dire que les gens qui utilisent le système au niveau opérationnel pour faire la prestation de soins, et cette possibilité du simplement au système, mais que ça répond à leur flux de travail ou leur flux de saisie, et qu'ils puissent aussi avoir à leur niveau pour pouvoir permettre prodiguer des soins de qualité aux patients. Il faut beaucoup penser aux stratégies nationales, aux directives, lorsque vous créez vos indicateurs, okay, parce que ça vous permet de pouvoir avoir des indicateurs pertinents qui vont permettre aux gens d'utiliser votre tracker. Comme je l'ai dit précédemment, toujours pensez aux gens de première ligne lorsque vous créez vos indicateurs pour qu'ils puissent avoir cette possibilité de pouvoir utiliser le système pour la prise de décision. Donc, soyez précis quand il s'agit des indicateurs,
Il faut aussi penser toujours évaluer la qualité des données en comparant les données agrégées et les données tracker. Donc, comme on le parlait plus tôt, dans le projet, il faut toujours, pendant un projet de mise en œuvre de tracker, toujours penser aux indicateurs. Donc, il faut penser aux priorités. Donc, penser aux indicateurs pour chaque profil d'utilisateur et aussi penser, par exemple, aux indicateurs les plus indispensables. OK? Donc, ceci est très important de faire ça. Il faut, bien entendu, avoir des indicateurs de performance clés pour les utilisateurs des établissements et les personnes qui travaillent au niveau de la première ligne, c'est-à-dire ceux qui offrent les services. Et donc, bon, nous avons en fait un snapshot ou une capture d'écran plutôt du fichier que vous devez remplir. Donc, c'est juste pour vous parler de quelles décisions qui seront prises sur la base des données tracker. Donc, toutes ces informations sont en fait dans ce fichier et nous pensons qu'avec ce slide ou avec cette présentation, vous aurez encore des idées claires sur comment remplir les fiches. Sur ce, je viens de finir ma présentation. Donc, je vais retourner sur le Slack pour voir si il y a des questions pour moi. Et je vais essayer de répondre. Et parfois, certains seront écrits. Merci. Alors, je suis en train de voir si j'ai des questions. Alors, Lucien Badiel, ma question est la suivante. J'ai fait des extractions à travers des event reports, précisément une line list avec des codes d'identification unique. Quand il s'agit de mettre à jour les informations concernant les mêmes patients avec les mêmes codes d'identification de la plateforme, nous indique que le patient ne figure pas et qu'il faut procéder à un nouveau enregistrement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle situation? OK, donc ici, quand vous parlez d'extraction, que vous voulez les événements, est-ce que, bon, j'aimerais savoir, bon, Agnès a essayé de répondre, mais peut-être que j'aimerais savoir si ce sont des données où il faut importer ou est-ce qu'il faudrait renseigner sa manière. Et il peut y avoir des raisons où... quand vous faites les extractions, vous n'avez peut-être pas droit à l'utilisateur. Il faudrait savoir si vous êtes super utilisateur ou pas. Parce que dans le système tracker, vous avez peut-être la possibilité de retrouver tous les patients ou même parfois de retrouver un patient spécifique. Donc, bon, je pense que Agnon s'est en chargé. Donc, après, il y a ma question. Ma question est aujourd'hui, un pays comme le Sénégal, on fait un passage à l'échelle à tous les niveaux, on utilise HS2 agrégé. Est-ce que c'est possible que tout le gramme puisse basculer vers le tracker? Bon, effectivement, c'est possible, mais bon, je pense en général qu'il faut penser à aller de façon progressive. Donc, la plupart des pays ne sont pas passés au tracker en même temps, pour plusieurs raisons, parce que cela implique beaucoup d'infrastructures. Et donc, en général, tout d'abord, on commence peut-être par un programme qui essaie de saisir ces données dans le tracker, cela implique, et pour ça aussi, on commence autant pour moi, par une approche phasée où on commence par une région, un district, et ainsi de suite, on essaie de faire une mise à niveau. Je vous donne l'exemple du Ghana qui, par exemple, utilise DHS2 pendant assez longtemps. Ils utilisent aussi la partie tracker, mais généralement, il faut savoir que la partie agrégée existe toujours et que la partie tracker est juste pour des cas spécifiques. Et généralement, c'est pour il faut toujours penser à qu'est-ce que je veux faire de ce tracker. Donc, si c'est pour, par exemple, permettre aux gens au niveau opérationnel d'améliorer les qualités de soins en utilisant le tracker, c'est bon. Si c'est pour avoir des indicateurs spécifiques liés à un programme, c'est bon.
Mais comme je l'ai dit, la partie agrégée existe, elle doit exister et on peut avoir quelques trackers pour pouvoir avoir des informations spécifiques pour améliorer la qualité de soins, le service de soins. Mais notez ceci, tout doit se faire de façon progressive. OK, comment garantir l'efficacité, efficacement la confidentialité dans le tracker, étant donné qu'il s'occupe de la collecte de données individuelles? Bon, oui, en fait, en général, bon, il faut savoir que pour le tracker, en termes de confidentialité, vous aurez plus d'informations lorsqu'on va parler de la configuration serveur, mais il faut mettre, bien entendu, des politiques en place. Donc, comme on dit, quand on veut mettre le tracker en place, il faut toujours penser à la sécurité des données. Et donc, pour garantir efficacement la confidentialité des données, il faut beaucoup d'aspects. Il y a la partie technique, mais il y a la partie aussi politique ou administrative. Et donc, il faut penser à tout cela avant de pouvoir mettre en place le tracker. Donc, OK. Donc, Madame Antadio, vous avez posé une question, mais j'aimerais que vous puissiez plus expliquer un peu. Je crois que ça a parlé des ONG. Donc, est-ce que vous pouvez, par exemple, me donner plus d'informations sur ce que vous voulez? Madame Anta? Madame Anta est là? Oui, Madame Anta, j'aimerais en fait avoir plus de précisions sur la question que vous avez posée à propos des ONG. D'accord. Bonjour. Bonjour. En fait, je pose la question, par exemple, je peux peut-être aller dans les détails. Par exemple, pour le cas du Sénégal, on a un projet renforcement du système de santé au niveau central. Et ce projet intervient, travaille pratiquement avec toutes les directions du niveau central. Et il y a un grand volet dans ce projet, c'est l'information sanitaire, le système d'information sanitaire. Alors, aujourd'hui, au Sénégal, on a quelques soucis avec les données parce que beaucoup de nos données ont été enlevées, comme quoi le serveur est. Et je réfléchissais comme ça, par quel moyen on peut en fait, utiliser le tracker. Par exemple, nous, dans le projet où je suis, on a un système de suivi et évaluation. On a plusieurs indicateurs qu'on doit suivre. Et comment est-ce qu'on peut utiliser le tracker? C'est-à-dire mettre en place un tracker pour l'ONG où on va utiliser les données de la plateforme agrégée qu'on utilise. Les données seront collectées là-bas. Mais nous, qu'on puisse avoir ces données collectées, puisse alimenter notre système de suivi et évaluation, nos indicateurs. Je ne sais pas si je suis claire. Allô? Oui, je pouvais reprendre un peu, s'il vous plaît. Vous êtes... parce que j'ai du mal un peu à suivre... En fait, c'est un projet renforcement du système de santé qui travaille avec les directions du ministère de la Santé. Alors, dans notre plan de suivi et évaluation, on a plusieurs indicateurs et naturellement, ces indicateurs sont alimentés par les données collectées au niveau des structures de santé. Et ces données sont renseignées dans la plateforme DHS. Est-ce que nous, on peut mettre en place un tracker où certainement il y aura un link entre le tracker que l'ONG va mettre en place et la plateforme nationale pour que ces données puissent alimenter en fait nos indicateurs de suivi. OK. Bon, si c'est pour récupérer les données individuelles vers une autre base, c'est possible dans DHS. Nous l'avons même fait ici. Il y a des outils qu'on utilise pour le faire. Bon, maintenant, si c'est aussi
récupérer les données agrégées, vous avez cette possibilité aussi de le faire. Donc, que ça soit agrégé ou individuel, qui proviennent d'un autre tracker, vous voulez faire une inter, vous voulez ramener sur, par exemple, le tracker national, c'est possible. Nous avons plusieurs outils que nous utilisons pour le faire, des applications pour le faire, des applications DHS2 pour le faire. Bon, mes collègues aussi peuvent intervenir en ce sens, s'il le faut. Jerry, je peux intervenir? Oui. Voilà, merci beaucoup et merci à Madame Anta pour, et à Dr Anta pour sa question. Je pense que, à ce que j'ai compris, ces indicateurs-là dont vous avez besoin sont déjà collectables à travers les DHS2 nationales. Donc, il n'est pas trop intéressant de mettre en place en ce moment un autre DHS2 avec un tracker à part. Donc, il est mieux de coordonner ça avec la partie nationale, avec l'équipe de gestion du DHS2 national pour que vous ayez accès à vos indicateurs. Voilà, dans la collaboration entre partenaires États. Merci. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui. OK, merci beaucoup. Je demande la parole pour appuyer un peu ces parties. Et tout d'abord, merci, bravo à Jerry pour la brillante présentation. C'est vraiment complet, c'est explicite. Par rapport à la préoccupation d'Anta, et bonjour Anta depuis le Sénégal, nous avons répondu à certaines de ces questions sur Slack, mais ce qu'elle vient de dire, j'ai compris l'idée. Et si nous nous pesons sur l'expérience du Mali, ce qu'elle demande en matière de transfert des données de la base tracker, si ça a été déployé à la base agressée, il y a peut-être souvent des risques. Pourquoi? Parce qu'au Mali, il y a, comme on l'a dit, l'instance tracker et l'instance agrégée sont déployées à tous les niveaux, sur toute l'étendue du territoire. Mais comme on l'a dit, avec la lourdeur du tracker et puis souvent quelques difficultés de connexion, vous trouverez que les données de la base agrégée sont en avance par rapport aux données du tracker. L'exemple frappant, quand vous prenez les MADO, si vous avez dans la base agrégée et 100 cas de MADO dans un district sanitaire, et vous allez trouver qu'il n'y a que 15 cas ou bien 10 cas de ces modules-là qui ont été renseignés dans les trackers, dans le suivi individuel. Donc souvent, il y a cet écart qui peut biaiser un peu le résultat si c'est pour le transfert des données. Mais si vous êtes sûr que vous êtes capable de renseigner au jour le jour les trackers, là, il n'y a pas de souci. Mais le risque est grand parce que ça fait partie des défis pour le Mali aujourd'hui. On a beaucoup de données MADO dans la base agrégée qui ont été renseignées, mais dans la base tracker, les données sont vraiment insuffisantes. Donc, voici un peu ce que je voulais donner comme appui concernant sa question. Je vous remercie. C'est clair, j'ai vraiment compris. OK. Allô, Jerry? Jerry? Oui, bonjour. Madame. Bonjour, Jerry. Oui, vraiment, ça va? Oui, ça va bien. C'est juste pour renforcer, voilà. D'accord. En fait, merci, merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. En fait, c'est pour renforcer, hein, c'est qu'au Sénégal, c'est vrai que c'est cette politique-là qu'on est en train de mener. Si on a mis en place l'outil agrégé depuis des années, les trackers aussi, c'est tout l'étendue du territoire. Mais bon, c'est pas l'envie qui manque aux partenaires ou bien aux organismes de mettre du tracker, hein, séparément, mais ce n'est pas la politique nationale, en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Si vous mettez du tracker séparément, vous allez au niveau opérationnel, vous demandez de saisir ce tracker-là, ça va augmenter la surcharge de travail à ceux qui collectent les données tous les jours. Donc, autant vraiment exprimer vos besoins au niveau national, et nous, on se charge à chaque fois de prendre les préoccupations des uns ou des autres. En fait, l'idée, c'est de mettre des dispositifs vraiment unifiés et intégrés, pas de façon séparée. Donc, toujours, je comprends Dr Anta, peut-être c'est l'organisme qui a ses besoins, mais je lui demande de se rapprocher donc, de la DSIS, de la division qui a en charge le système d'information, pour qu'on puisse prendre leurs préoccupations afin qu'ils puissent gérer leurs objectifs. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter, tout en appuyant sur les mains par rapport à ce qu'il vient de dire. Merci.
D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on va continuer. Je ne vais plus répondre aux messages déjà répondus. On va peut-être continuer la conversation par écrit pour ceux qui n'ont pas encore eu de réponse. Donc, Wegalo, je pense que je le prononce très bien. Dans la conception du système temporel, quelle approche conseillez-vous? Excusez, la partie m'a échappé. OK, donc en fait, pour la conception de tracker, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut penser à l'utilisation de façon générale. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ce système? Et donc, quand vous concevez le tracker, pensez aux indicateurs clés pour la partie nationale. Mais n'oubliez pas aussi que vous avez ceux qui utilisent le système pour prodiguer les soins. Donc, il faudrait penser à créer des indicateurs qui peuvent leur permettre de pouvoir faire leur activité de façon... spécifique. Donc, comme on dit d'utiliser plus l'approche centrée sur l'utilisateur. Donc, identifiez les utilisateurs de votre système et essayez de pouvoir créer un système, un tracker qui permet de répondre à leurs besoins. Merci. Hi, Jerry. Merci pour la présentation. Par quel canal pourrais-tu quand tu trouves un cas de code? Ok, ça c'est en off. au regard de ta présentation, dans le cadre du tracker, c'est le dossier patient qui est censé être utilisé ou bien le rapport mensuel? En fait, je peux dire les deux. Initialement, les registres ou le dossier patient est utilisé pour bien entendu mettre en place le tracker. Mais si on se focalise uniquement sur le dossier patient, on peut perdre de vue certains indicateurs utiles pour notre système. Et donc, généralement, il faut avoir le dossier patient, donc voir le flux de ce dossier patient, le flux de données, le flux de saisie, mais aussi penser aussi aux différents outils ou aux différents indicateurs que vous avez pour la prise de définition, tant au niveau central qu'au niveau opérationnel, quand je peux même dire district. Au niveau prestation de service. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler aussi du rapport mensuel. Donc, le rapport mensuel peut être utilisé. Aussi, on est dans une situation où on veut permettre aux utilisateurs, parce que ceux qui renseignent les registres ou qui suivent les patients sont probablement parfois ceux qui renseignent encore les rapports mensuels. Et donc, peut-être on veut les aider en allégeant la tâche. En les permettant, en disant, OK, lorsque vous renseignez dans votre tracker, vous avez déjà les données compilées pour la partie de rapport mensuel. Donc, ça serait très intéressant aussi qu'ils puissent renseigner la partie, les données au niveau de leur tracker et avoir en même temps les données disponibles dans leur rapport mensuel pour faciliter la tâche. Mais comme je l'ai dit, c'est une discussion qu'on doit faire. On doit essayer de prioriser et de faire en sorte que les utilisateurs ne soient pas submergés par les données. Okay. Donc, le tracker permet d'avoir des données agrégées. Si oui, pourquoi en même temps avoir un système de données agrégées à côté? Bon. Fadala, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous êtes en train de dire par ce message? Fadala? Oui. Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai remarqué que par rapport à nous, on n'a pas encore implanté les trackers dans le système de CIS, mais par contre, les programmes TB, de tuberculose et TISA. Je suis de CIS, hein, donc j'ai remarqué que certaines questions, c'est relatif, certains ont commencé à utiliser le système de dégrégé avant d'implanter. Les trackers. Allô? Allô? Ah, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. J'ai pas bien compris la fin. Vous pouvez répéter?
Oui, j'ai dit, j'ai remarqué par rapport à certains pays, ils ont utilisé tout d'abord les systèmes désagrégés et après ils ont commencé à utiliser les trackers. Et pourquoi avoir l'autre le système en même temps? C'est ça ma question. Okay. Et j'ai compris par rapport à ces 2-3 jours de formation que les trackers permettent d'avoir les données désagrégées. Ok. Je vais essayer de répondre. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre, mais mes collègues peuvent intervenir aussi. Non, effectivement, dans un monde idéal, on peut juste récupérer les données du tracker et l'amener au niveau agrégé. Mais en fait, nous avons plusieurs défis et je pense que j'ai un peu parlé de ça dans la présentation d'hier où il faut une certaine fondation pour pouvoir mettre en place un tracker. Sans ces fondations, il serait difficile d'avoir un tracker qui est utilisé dans le système pour pouvoir collecter les données. Si vous voulez collecter les données agrégées, beaucoup de pays sont passés d'abord par la partie agrégée pour pouvoir collecter les données et les avoir pour les analyses. Mais avec le temps, ils ont pensé à avoir des données un peu plus spécifiques, plus détaillées, pour pouvoir faire un suivi au niveau de points de prestation, pour pouvoir permettre aux établissements d'améliorer leur qualité de soins. Mais ceci a, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de défis liés à la sécurité, à l'infrastructure, à la conception et au fait qu'on veut ajouter une nouvelle couche technologique au flux de travail que les gens ont. Et donc, dans ce cas de figure, ce genre de travail doit se faire de façon progressive. Certes, il y a aussi un autre volet, c'est qu'il y a certaines données qu'on ne peut pas, par exemple, collecter au niveau du tracker, par exemple, les données de population. Or, ce sont des dénominateurs que vous avez besoin pour pouvoir créer les indicateurs. Par exemple, le taux de couverture pour la vaccination ou le taux d'incidence du palu, etc. Et donc, vous avez aussi besoin de ces données agrégées disponibles pour pouvoir faire certains calculs. Donc, généralement, je pense que nous pourrons travailler avec un système où on aura à la fois les données agrégées et les données tracker. Mais le but final, c'est de permettre à ce qu'on puisse utiliser le tracker pour les suivis spécifiques, par exemple le suivi de la tuberculose, du paludisme, du VIH, et la COVID, etc. Merci, mais mes collègues peuvent intervenir. Ok, merci Jerry. Et merci à notre ami d'avoir posé cette question parce que c'est une question que la plupart des gens se posent. Et en général, la finalité du tracker, c'est d'évoluer vers les données agrégées. Mais comme on était tous au début par rapport au DHS, il était intéressant parce que les gestionnaires des données sont habitués à utiliser les données de façon agrégée, de façon mensuelle. Donc, il fallait aller dans ce sens pour que les gens ne se perdent pas. Il y a aussi le volet défi électronique et développement qui est là. Donc, le tracker est toujours en constante évolution. Donc, sinon, la finalité, c'est que les programmes de suivi personnel concernant leurs données, que ça soit reproduit automatiquement de façon que le formulaire agrégé soit alimenté par les données de l'agrégé. Donc, ça va entraîner une diminution de la charge de travail des utilisateurs sur le terrain, mais c'est une évolution. On va petit à petit vers ça. Voilà. Donc, j'espère que ces quelques informations aussi peuvent vous aider à comprendre là-dessus. Merci. Peut-être aussi un ajout. Par rapport aux données de routine que vous avez, peut-être si je reste dans le cadre du TB, ce sont des données trimestrielles que vous avez et puis à la fin, ils essaient de renseigner le nombre de cas traités, ainsi de suite. Mais avec le tracker, ils ont la possibilité de savoir qui exactement est venu pour se faire traiter. Est-ce qu'il a reçu ses médicaments, ainsi de suite.
Donc, avec les données tracker, on peut savoir, on peut connaître le nom de l'individu, on peut identifier la personne, mais avec les données de routine que vous avez généralement dans le DHS2, c'est le cumul que vous avez. Donc, quand on essaie de mettre en place un tracker pour pouvoir suivre ces cas là cas par cas, c'est possible de le faire dans une autre instance tracker. Et beaucoup de choses entrent en jeu parce qu'il faut aussi travailler avec toutes les parties prenantes, même les utilisateurs finaux, pour qu'ils puissent nous dire réellement ce qui se passe sur le terrain, comment est-ce qu'ils utilisent les données, quels sont les registres, quelles sont les informations, ainsi de suite. Donc, c'est à partir de toutes ces informations-là que le tracker est créé. Et ensuite, il faut la phase de formation. Donc, il faut former toutes les personnes pour pouvoir renseigner convenablement les données. Ces informations renseignées ou les données renseignées doivent être analysées après pour voir si, en fait, le total qu'on a à la fin du mois ou à la fin du trimestre reflète, en fait, le même schéma qui est renseigné peut-être dans le système national. Donc, on va faire cette comparaison. Au début, ce ne sera pas juste parce qu'il peut avoir des problèmes de connexion, problèmes de synchronisation, des données non saisies, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure, ce total-là va être plus ou moins pareil. Et après, ça dépend aussi du pays, ça dépend aussi de la politique qu'il y a. Après, on peut aussi, pour éviter que une personne saisisse les données tracker et une autre personne les saisisse les données agrégées, on peut, à partir des indicateurs, envoyer ces données-là directement dans le système national agrégé. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais bon, avec le DHS, beaucoup de choses sont quand même possibles. Bon, c'est le complément que je voulais aussi apporter. OK, on continue. Merci pour la présentation. Par rapport aux indicateurs de programme, tels que vous venez de présenter, est-ce qu'il y a certains indicateurs de programme que vous n'arrivez pas à paramétrer dans le e-tracker pour avoir des valeurs agrégées? Si nous prenons le cas du Ghana, au cas du Ghana, oui, il y a certains indicateurs de programme pour lesquels vous avez eu des difficultés à paramétrer dans le e-tracker. Oui, en fait, il peut y avoir quelques défis, bien entendu, pour le cas de certains indicateurs dans le e-tracker qui vous poussent parfois aussi à améliorer le e-tracker. Comme le DHS2 est en perpétuelle évolution, donc, en général, lorsque nous avons des défis, bon, effectivement, pour le Ghana, ce n'était pas présent pour l'atelier en question. Donc, je ne sais pas quels sont les indicateurs qui n'ont pas pu calculer. Mais effectivement, il y a souvent ce genre de défis. Et nous essayons soit de trouver ce qu'on appelle en anglais un workaround, c'est-à-dire une façon d'autre de pouvoir présenter l'information là, ou soit de nous relayons l'information à l'équipe d'Oslo pour pouvoir incorporer cette possibilité de calculer ces indicateurs dedans. Quels sont, Raoubi, quels sont les intérêts de garder la partie agrégée une fois que le tracker est devenu fonctionnel, car le tracker fournit aussi les valeurs agrégées? Bon, je pense qu'il y a déjà une réponse. Quelle application peut-on utiliser pour le lien entre le tracker et l'agrégé? Bon, il y a plusieurs applications qui peuvent être utilisées, plusieurs façons de pouvoir envoyer ces données. Il faut donc d'abord discuter sur la façon dont ça va se faire. Est-ce qu'il doit avoir une périodicité? Est-ce qu'il faudrait faire une tâche planifiée? Est-ce qu'il faudrait puis une validation d'abord, etc., etc. Donc, il y a plusieurs outils, plusieurs méthodes de pouvoir envoyer ça. Je pense qu'on ne va pas avoir l'occasion de parler de ça maintenant. Arsène, est-ce qu'on peut utiliser la même instance de données agrégées pour mettre en place un tracker? Si oui, comment concilier les données pour éviter les doublons? Oui, en fait, c'est possible de le faire, mais comme je l'ai dit, en général, on sépare les instances. Mais quand on sépare les instances, on s'assure que l'instance du tracker est plus
sécurisé parce qu'on peut créer notre instance et peut-être soit créer une partition et peut-être crypter le disque dur, etc. Donc, c'est possible d'avoir sur le même serveur et d'avoir aussi une certaine sécurité, c'est possible. Bon, généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils séparent et mettent les parties, la partie agrégée à part et la partie tracker à part, qui est en fait lié au fait que la façon dont la base de données, ça, je rentre en informatique ou en gestion de base de données, la façon dont la donnée est traitée au niveau de la base de données diffère de la partie agrégée et de la partie tracker. Donc, on est obligé de faire certaines configurations spécifiques au niveau de la base de données et au niveau du système même pour s'assurer que la rapidité y soit. Et donc, si on a la partie agrégée et le tracker ensemble, parfois, on est obligé d'avoir un juste milieu qui peut peut-être favoriser ou défavoriser une instance ou l'autre. Mais c'est possible de le faire. En ce qui concerne les doublons, effectivement, généralement, quand on en discute, dans le pays, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir les deux. Tout d'abord, les deux instances ensemble qui fonctionnent, c'est-à-dire l'agrégé et le tracker. Et après, on essaie de graduellement remplacer les données agrégées par ce qu'on a dans les trackers. Mais comme j'ai dit, dans un premier temps, il faut s'assurer qu'il y ait une bonne qualité parce qu'on est dans une situation où vous avez parfois des données qui sont bien entendu de sources différentes et donc peuvent avoir un problème de convergence. Et donc, il est très important de faire ça d'abord. Et donc, là, on pourrait facilement les donner et donc éviter les doublons. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin de notre présentation. Nous avons une présentation à 11h45. Donc, je vais répondre aux autres questions via Slack par écrit. OK? Ne vous inquiétez pas, nous allons répondre à toutes les questions. Donc, je passe la parole à Agnon qui va nous annoncer les prochaines sessions. Merci.